Et coucou babies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Soso. Et surtout on se retrouve pour un relooking épisode 3. Vous savez, j'ai déjà relooké une de mes abonnées, ma mère, et maintenant place à Pops. L'épisode 1 je l'ai fait sur YouTube, l'épisode 2 il est déjà posté en Reels Instagram. Et l'épisode 3 du coup on le fait sur YouTube. Parce que ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, du coup je vous le présente pas hein, mais... Non, tout le monde me connaît. Si vous ne le connaissez pas, c'est mon copain, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Ça va vite hein. On est un vieux couple. On est un vieux couple. Et en gros, Soso c'est un peu le genre de personne qui se lève le matin et qui prend un pull, un pantalon, une paire de chaussettes et... Ah oui, des chaussettes avant les chaussures. Il prend souvent des chaussettes à trous, donc même aujourd'hui on va penser à lui racheter des chaussettes. Non, t'es une grosse montage, je les ai jetées mais qui sont trouées. T'as pas de chaussettes à trous aujourd'hui? Ah non! Ah! Et du coup, c'est un peu le genre de personne en fait qui s'en fout. Et il faut savoir que ça fait 5 ans que je suis avec lui et 5 ans qu'il n'a jamais fait de tri dans son armoire. Il... Oui, oui. Il a toujours des vêtements qui ne lui vont plus, des vêtements qui sont en piteux état. Non, ils sont tous bien. Non. Et il accumule sans rien jeter. Donc j'aurais aimé faire un tri dans cette vidéo, mais je peux pas me permettre de faire ça aujourd'hui parce que ça nous prendrait. Et j'ai pas envie. Ça tu vas pas te permettre de jeter si, mes vêtements. Si, non. Ça me prendrait 5 jours. C'est pas possible. Et oh, il y a plus rien qui rentre dans son armoire. Juste comme ça, plus rien. En vrai, tu sais que c'était vieux vêtements qui datent d'il y a 3 ans. C'est plus la mode. Oui, donc voilà, c'est ce que je dis. Son armoire, ça fait vraiment 5 ans qu'il n'y a pas touché. Et encore 5 ans. Oui, plus que ça, hein, c'est parce que je le connais, ça fait 5 ans, hein, c'est tout. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de changer ça. J'ai décidé de changer ça. J'ai pas envie de le relooker, mais j'ai envie de lui faire tester un nouveau style. Bon, sinon, qu'est-ce que t'en penses de cette idée du jour? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas le genre de personne qui aime faire du shopping, donc il va vous dire. Ah, surtout un samedi. Surtout un samedi. Du coup? Du coup, je trouve que c'est une bonne idée parce que on va pouvoir tester un autre style. Parce que Mélissa, elle arrête pas de me dire, il faut que t'essayes d'autres styles, à part mon style classique. Du coup, ben, ça peut être une bonne idée, on va aller voir ce qu'on. Ta magie? La magie opère. Bon bah maintenant on va aller faire du shopping. Mais avant tout, comme toujours, dans chaque relooking, je vais vous faire une petite présentation de Soso dans les détails. On vous laisse sur... Sur ma courte présentation. Ça, c'est Sophia, il a 23 ans. Son signe astrologique est Balance. Ses deux passions dans la vie, c'est le sport et les voitures. Mais j'oublie le point le plus important. Dans la vie, c'est mon agent et il gère d'ailleurs sa propre société à seulement 23 ans. Allez, nous on va faire du shopping, c'est parti. Oh non. C'est parti. Bien, on le sait. Bah merci. Mais on veut un style un petit peu plus classe, un petit peu plus osé. Voilà. Il n'y a rien de... Ça c'est vrai, je suis d'accord. À Zara là c'est bof. Il n'y a pas ce que je recherche. Ah, pas du tout en fait. Bon là on a pris deux articles à Zara. Regardez ce pantalon, il est en mode rayure... Comment on appelle ça, So? Velours. Et velours. C'est ça. Avec une texture. Une texture velours. Et ça, t'as jamais essayé? Non. T'as jamais essayé? Non, jamais. Bon, on va voir ce que ça donne. Écoutez. Allez. En tout cas, moi j'adore le pull très classe, col roulé. Je suis sûre que ça va t'aller trop bien, toi. Ouais, je suis sûre aussi. Il est quelle heure? 17h20. 17h20 et il fait nuit déjà. Fifi, tu dis bonjour à la caméra derrière toi? Bonjour, gnognon, c'est gnognon, bonjour. Oui, bonjour, la caméra, bonjour, bonjour. Bon, on est rentré, on va se mettre à l'aise. Toso, ta journée de shopping. Oh là là, je sais pas comment vous faites pour faire ça. T'as pas passé un bon moment avec moi? Bon! Oh my god! Oh my god! Tu fais ta vidéo à l'envers, genre t'es à l'envers. Comme ça? Vas-y, retourne ta vidéo! C'est ma phobie! Oh my god! Alléluia! Mais t'es complètement fou! Bon, on se concentre là. Quand je suis totalement relooké, je suis tout beau. Du coup, il y
il y a 3 jours, on a fait une commande sur Bougou. On a reçu les pièces et en fait c'est des genres de pièces qu'il a jamais mis. Genre j'ai pris des cargos, des trucs comme ça. Tu m'as complètement décoiffé. Des cargos, des trucs comme ça. Et je me suis dit qu'on allait vous montrer. Toi je te jure, tu peux pas. Mais aide la concentration dans ma vidéo. Alors, j'ai trouvé ce bomber. Vous savez, c'était le bomber. J'ai trouvé ce bomber. Vous savez, c'est le même chez les femmes. Chez les femmes, il existe en fait. Et c'était une tendance de. Tu l'as pris chez les femmes ? Non, c'est chez les hommes, chez Boohoo. Mais ça, c'était une tendance hyper connue chez Zara, mais Amy, vous devez savoir. Ouais. Et ben, je l'ai trouvé pour les hommes. Et je me suis dit que ça pourrait grave bien lui aller. Je pense. Tu l'as pas essayé ? Non, tout me va de toute façon. Je pense que ça devrait m'aller. Vas-y. Essaye. Ah, tu sais que ça te va trop bien. Mais où ? Mais même avec ton look, arrête de faire ça. On valide le bomber. Bon, ensuite, je lui ai pris 3 pantalons cargo. Et ça, je suis pas sûre. Enfin, il y en a un gris, comme ça. Le gris, je suis fan. Le vert, j'aime pas, lui. Ah si, j'aime bien, moi. T'aimes bien ? Ouais. Ah, et il y a lui, mais lui, je suis pas fan non plus. Non, j'aime bien. Bah, allez, va. Tu sais qu'en vrai, ça te va bien ? Oui, tu sais qu'en vrai, il est beau. Mais tu sais qu'en vrai, ça te va bien à la caméra ? Mais genre en vrai ça fait un peu bizarre. Ou c'est juste parce que je pense qu'on n'est pas habitué. Et vous en dites quoi du cargo ? C'est qui ? Moi tout oui. C'est moulinette, c'est moulinette, c'est qui ? 1, 2, 3, transition. Et j'adore. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais c'est pas mal. Tu sais qu'en vrai il te va trop bien. Il te va petit. Non en vrai, il ça va petit. Mais t'es au-dessus ça aurait pas été beau. Ah ouais ? Non. Mais lui il va beaucoup plus serré. Tu te sens mieux, ouais, dans lequel ? Ouais je me sens mieux. Dans un truc plus serré. Ouais. Parce que comme t'es pas habitué au large. Je pense. Et les cargos, je trouve que ça lui va trop bien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que les cargos, c'est bon, c'est adjugé vraiment. Ça vous montre juste des choses qu'il n'a jamais portées. Pas mal, hein. Mais tu sais, vous savez qu'il a jamais porté de cargo de toute sa vie. Et tu sais que c'est un style qui te va trop bien. Ouais. Vraiment. Ah non, j'aime pas du tout celui-là. Je l'aime pas du tout. Voilà, c'est ça le problème, je trouve, chez Soso, c'est que les pantalons droits qui se finissent comme ça. Je sais pas si on le voit, décale-toi vers là. Mais qui se finissent comme ça. J'aime pas du tout, je trouve que ça lui va pas du tout, vous voyez. Et vu qu'il a les jambes qui rentrent à l'intérieur, ça lui fait des grosses jambes énormes. Je déteste. C'est gentil, merci. Celui-ci, c'est niette. Bon, on est allé faire du shopping aujourd'hui et je lui ai trouvé une tenue complète. C'est aussi quelque chose qu'il n'a jamais mis. Même la veste que vous allez voir qu'il va porter, c'est... Du jamais vu. Et du jamais vu. Donc voilà, je suis très contente, je vais vous montrer le look et je suis très fière de mon look. Moi aussi, je suis un peu fière. T'es content ? T'aimes bien comment je t'ai relooké ? Ouais, c'est bien, en vrai. Et les cargos ? Mais même lui, j'adore. Franchement, je vais aller comme ça pour ça. Ah non, il va pas celui-là. Ah. Bon, ben voilà, c'est parti. On va terminer la journée en vous montrant. Non, c'est pas un haul. Là, tu vas t'habiller et leur montrer ton look final. D'accord, tu sais que j'ai tellement de looks que je ne sais plus comment je vais m'habiller maintenant. En vrai, de vrai. J'ai tellement de vêtements que je ne sais plus comment m'habiller. Je suis vraiment perdu. T'as pas énormément de vêtements ? Frère, hein. Les trucs Boohoo, trucs Zara, le truc Super Dry. Les bonnets, les trucs, je suis perdu. Je ne sais plus comment me bien. Voilà, c'est Soso. Alors qu'en vrai, il n'y a pas énormément de pièces. Et maintenant, on va terminer la vidéo avec le look de Soso. C'est parti! C'est la fin, on se pose tranquille, Poppy. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, tu sais que ce look il est vraiment canon. Et moi, tu sais que j'aime beaucoup hein. La veste comme ça, beige, avec le bonnet marron, le col roulé, le pantalon en velours. Les chaussettes noires. Bon, les chaussettes noires, on n'y fera pas attention. Flemme, il avait la flemme. Mais les baskets aussi, j'aimais pas trop avec le look. Mais moi, ce que j'aime, c'est surtout le pantalon, le pull et la veste et le bonnet. C'est incroyable. Non, mais là, tu sais que t'as un style genre où t'as grave un flow du mec. Hyper en mode fashion, fashionista et tout. Ah ouais, tu retournes au Moretz. Mais Amy, je veux une note pour le look de Pops. Franchement, je le trouve canon. Je pense qu'elles vont me mettre un 10 sur 10. Non, arrête d'avoir trop d'ambition comme ça. Mettez-lui moins. Enfin là, franchement, je suis trop contente. J'ai adoré passer cette journée avec toi, c'était trop cool. Moi aussi. Et si franchement, tu commences à avoir un style un peu plus comme ça, franchement, j'adorerais. Que ça me ferait trop plaisir de te voir t'habiller avec des pièces comme le cargo. Bon, on n'a pas habillé le cargo aujourd'hui, mais je suis sûre que Soso peut réussir à l'habiller. Donc franchement, j'ai hâte de te voir habiller ton cargo gris, ton cargo kaki, ce pantalon, je veux te voir le remettre habillé autrement. Mais sache que cette tenue, je veux te voir la remettre. D'accord, pas de problème. D'ailleurs, ce soir, on sort et je veux que tu portes cette tenue. Mais non, mais en fait, le blanc, j'ai peur que ça l'abîme en soirée.
bah c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que le relooking avec Soso vous a plu. C'était pas une vidéo très sérieuse comme je fais habituellement avec mes mimis ou comme j'avais fait avec ma mère où c'est très carré. Là c'était une vidéo plutôt cool. En gros c'est on est en week-end, chill, on voulait s'amuser, passer un samedi à refaire un peu l'armoire de Soso. D'ailleurs faudra que je fasse un tri dans ton dressing, ça je suis obligée. Non, si... je ne jetterai rien. Si. Pas jeter mais donner et vendre ce que tu veux vendre. Voilà. Oh bon. Des bisous. Bisous mes mimi. Je les retrouve quand Soso? Je sais pas, la semaine prochaine. C'est dimanche à 10h. Dimanche à 10h. Dimanche à 10h. Bisous. Bisous mamies. Et nous la semaine prochaine, quand vous regarderez cette vidéo, on sera à New York. Ah oui putain, oui t'as raison, parce que si tu fais ça la semaine prochaine, effectivement. Effectivement hein. Venez nous suivre sur Insta hein. Mon Insta ça fait juste là. Non mon Insta hein. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis nouvelle ici mais je suis très sérieuse ces temps-ci. Hein Bobby? Et moi aussi. Bisous mamies. Bisous. Ha ha ha.